Bienvenue à Anguin-les-Bains. C'est toujours une joie d'ouvrir une séance de travail sur la cybersécurité. Bien, mes premiers mots sont naturellement pour remercier très sincèrement l'ensemble des participants à cette première éco-rencontre. Ces éco-rencontres qui ont vocation, vous le savez, à devenir un rendez-vous régulier. D'abord, moi, je tiens à remercier quand même l'impulsion et l'initiative de l'intercommunalité Plaine-Vallée. On a la chance aussi, je pense, dans le Val-d'Oise, d'avoir un certain nombre d'acteurs qui, outre le fait de pouvoir conseiller, etc., sont à la pointe dans le développement de ces techniques, en tout cas de protection, de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu les échanges derrière. Si vous aviez un conseil à donner là ce soir, applicable par chacun de ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Continuez de vous informer, continuez d'être sensible aux réunions, aux messages sur la cyber. Le gros problème est de savoir quand nous allons être confrontés et quand nous serons pris, bien sûr, par ces cybercriminels. Et donc, je tiens à remercier à nouveau les experts présents et l'ensemble des équipes qui ont organisé cette réunion. Cet événement que nous avons accueilli autour de la cybersécurité était l'occasion pour les agents économiques du Val-d'Oise d'être sensibilisés sur cette question essentielle. Et pour le groupe Barrière, voilà, de jouer son rôle de partenaire des acteurs économiques locaux. Vraiment un sujet intéressant et un intervenant de qualité pour cette soirée. Personnellement, bon, je suis responsable d'une entreprise sur Anguin. Au fur et à mesure des mois, nous avons vraiment sensibilisé tous nos collaborateurs, toutes nos équipes, pour leur rappeler l'importance de cette cybersécurité qui passe par des gestes très simples, toute une série de mesures très faciles à assimiler et à intégrer et qui peut vraiment nous protéger considérablement.